Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce match. Content pour la 20e journée du championnat national de football burkinabé opposant le Real du Faso à Raymo FC. Alors que les différents acteurs sont en train de fouler la pelouse du stade municipal, on voit les statistiques d'avant-match. Le Real du Faso classé 14e avec 17 points et Raymo FC 4e avec 32 points. Et c'est parti donc pour ce match entre les académiciens du Raymo FC et du Real du Faso. Qui d'entre eux remportera ce match? Le Real du Faso avec cette frappe, c'est directement dans les gants du portier qui relâche. Et Stéphane Kombelbo, non, c'est pas croyable. Stéphane Kombelbo qui n'arrive pas à trouver le cadre. C'est une occasion de gâcher pour le Real du Faso dans cette entame de match. Alors qu'on revoit cette frappe puissante qui est attrapée puis relâchée par Traoré Moussa. Et Stéphane Kombelbo qui n'arrive pas à profiter de l'occasion, qui n'arrive donc pas à permettre au Real du Faso de mener 1-0. La frappe, c'est directement dans les gants de Traoré, Moussa Traoré, le portier du Raymo FC. Le Real du Faso qui repart avec Kombelbo. La frappe, c'est complètement au-dessus des barres transversales. Des buts gardés par Traoré, Moussa. Le Real du Faso qui peut repartir. Ce 1-2, la passe pour Newton à Adebayo. La frappe, c'est complètement ok. Il a tenté de croiser cette frappe et de chercher la lucarne opposée. Malheureusement, c'est hors cadre. Raymo qui peut repartir avec ce centre dans la surface de réparation. La déviation, l'ouverture du score ici au stade municipal. Il souffle Joseph Konombo à la 15e minute. Ibrahim Sow qui vient de permettre à Raymo FC de mener désormais 1-0. Alors qu'on revoit cette frappe repoussée et cette déviation ensuite de Ibrahim Sow qui vient tromper complètement le portier du Real du Faso, Nassam Fousseni, qui a manqué complètement sa sortie. La frappe qui passe complètement au-dessus, c'est le buteur de tout à l'heure, Ibrahim Sow, qui vient de manquer ce boulevard qui lui a été offert. Et on le voit, le face-à-face qu'il manque peut-être parce qu'il y a eu cette intervention du défenseur. Alors que le Real du Faso obtient ce coup franc. Newton Adebayo, par-dessus le mur, s'est transformé. Coup franc direct. Et c'est Newton Adebayo qui vient remettre les pendules alors, qui vient permettre au Real du Faso de revenir dans ce match, de rester en vie. 1-0 donc, alors qu'on revoit ce coup franc minutieusement tiré et qui vient se loger dans la lucarne gauche du portier du Raymo FC, Traoré Moussa. Raymo qui peut repartir à faute, non, ça ne sera pas sifflé, l'arbitre qui fait signe de jouer. Hervé Oussalé pour le coup franc. C'est tiré, c'est complètement manqué. Ça passe largement au-dessus des buts gardés par Moussa Traoré. Le dégagement. Et c'est la fin ici au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, l'arbitre central de ce match qui siffle à la fin. Raymo FC 1, Real du Faso 1. Quel match! On a assisté à un beau spectacle notamment.